Bienvenue au Dayblog. C'est au moment que j'en chie avec le format, donc je crois que je vais partir maintenant sur du zap. Truc. Voilà. Yo! Ha ha! I got a new camera! La bonne pastèque! T'as trouvé la GoPro? J'ai racheté une GoPro. Donc normalement j'ai 3 ans de vidéo. C'est une NAS. Il y a une NAS et une fille, je sais pas ce que c'est exactement. C'est quoi ce fou malade? Ah ouais! Ah! Oh! 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 Ah! Mauvais dispositif les gars! Il y a trop de merde qu'il a accroché surtout. Pas bien réfléchi à l'hydrométrie. Ah ouais, le poteau là-bas en scred. Oui. Ça, c'est du bon fils de... Quoi? Oh, les grenouilles! Le gars, t'es une billette, si tu me coupes un cas. Incroyable. Hop, tu l'as vu? Il y avait un poisson. C'est l'anguille. Ah ouais? Une autre anguille. Oui. Fais gaffe, ça. Oui. Ça larde. J'ai mon chien, il s'amusait avec. Puis il s'est fait choper la babine. Je te dis pas. Hein. Après. Pour les silures, ils en font comme ça, mais 3 mètres de circonférence. Quoi. Ouais, c'est ça. Tu viens de faire caca là, j'ai vu. T'as fait caca. T'es bien, c'est que t'es détendu. This is my city, la nuit. We usually there's prostitutes here. Tu t'es remis du billard? Hein? Tu t'es remis du billard? C'est quoi, c'est Covid? C'est cru? Parce que la crue, elle est passée, là, on est d'accord. Hein. Non, Guillaume, attends, J'ai perdu mon dossier. Ouais, c'est ce que je t'ai dit. Oh, ça, c'est bien enfoncé. On dirait un endroit pour tourner triple X quoi. Ou la fin d'un film de mafieux. La bagarre. La bagarre. Où sommes-nous? Ah, il y a des gens qui sauraient. So that's my first chicken. And the other chicken is the breast. So I gotta take her out, otherwise she doesn't eat drink, she doesn't eat. C'est bien, tu m'as même pas mordu aujourd'hui. Tiens, prends un peu d'eau là. Oh, la ligne, elle s'est fait arracher la gueule. C'est très visible. Oh, le jus, le jus, le jus. Repose pendant la descente. Est-ce que je me serais-tu pas paumé? Oh 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 ah. Non mais ça ça m'amène carrément pas à l'eau. It's a hard knock life for us. It's a hard knock life for us. Est-ce que
je peux juste vous donner ça. J'ai pas pris mon sac, je suis désolé. Merci beaucoup. Coupe-toi ! Ah là là ! Un caillou avec marqué Hello Go Die dessus qui veut dire va mourir. J'ai trouvé la bière pour boire après. Et je me dis que tu me files le coup de main là. Ah, voilà, bière gratuite. Tu l'as pas volé ? Bière gratuite, bière de rivière. C'est le meilleur. Le mieux, c'est le moment où la bière se tient toute seule. Et tu peux faire pipi. Dans la bouche, montre-moi comme ça, tu le fais comme si tu le faisais dans l'eau. Donc, t'as bien compris ce qu'il faut que tu fasses. Donc, t'arrives à faire rentrer un petit peu d'eau, la faire aller sur toute la vitre et après relever et souffler par le nez en relevant. Regarde, je te le fais. Le problème, c'est que moi, j'arrive pas à. Faut que tu parles anglais parfaitement. Oula. T'as 5 ans. Ouais. C'est facile. Franchement, 5 ans pour apprendre à parler anglais, ça passe. Parce que là-bas, ils parlent anglais. Ah. Tu veux pas aller là-bas et rien comprendre à ce qui se passe et pas pouvoir parler aux gens que tu vas rencontrer ? Ouais, c'est cool. Ouais. Ça filme ? Non. Mais non. Ouais, montre à maman comment tu plonges. Bon, la méthode pour purger son gilet, c'est... ça. C'est beau. Non, c'est beau. C'est le... Il faut que je sois au milieu de l'eau, genre... En fait... Attends, j'enlève mes palmes. Les palmes. Le papier. C'est une trentonnette, là. Ça a l'air. Ouais. Bonjour. Qu'est-ce qui c'est? Oh, du braconnage. La dernière fois, j'en ai enlevé une dans le contre-canal. Celle-là, elle est fraîche. Elle a été posée depuis pas très longtemps. Ah, il y a un poisson. Libéré. Oh non, ils sont morts. Ah ouais. Oh non, il y en avait pas un vivant ? Moi aussi, ça me semblait que ça bougeait. Oh vite fait. Ça c'est pêcheur. Et en gros, quand je vais dans un endroit, j'aime bien dépolluer et je me spécialise sur plusieurs déchets. Donc les mégots. J'ai appris à les bien les repérer. Donc je fais mégots, capsules de canettes, des morceaux de verre. Et chewing-gum ou truc de sucette, machin, ces petits plastiques.
la mise à l'eau là, elle est fermée jusqu'à ce que le chantier soit fini. Le chantier, vous en avez pour des années quoi. Là, ils ont condamné ça pour les 10 prochaines années. Et le maire d'ici, il a changé pendant les élections là cette année ou c'est le même? C'est le même. Bon, même les villes où ça a changé, ils ont fait la même politique. Hein. Gros, ça c'est ce qui se passe dans plein d'endroits depuis le début du confinement. Au début c'était à cause du virus, donc ils sont venus, ils ont fermé plein d'accès à l'eau, mais partout. Hein. Et là maintenant qu'il n'y a plus. Enfin voilà. En gros, là, le village là-bas, tant qu'il est en travaux, tu peux pas utiliser ce chemin qui mène à la mise à l'eau. Et les travaux vont durer 10 ans. Donc comment ils font les handicapés? Comment ils font les vieux? Parce qu'en gros, la prochaine mise à l'eau, elle est privée. Donc tu peux pas y aller. Donc il faut te garer là et descendre. Bon, et là, c'est pareil. On n'est pas dans le même département, mais... Ah! Avant confinement, pas de pierre. Et depuis confinement, pierre. C'est balèze, tu peux passer sur le côté. Donc ce qui est dommage, c'est que tu as plein de spots. Ça va jusqu'au fond là-bas, tu as des tables, tu peux te caler. Comme d'hab, tu n'as pas un chiotte, pas une poubelle. Et c'est ça qui sert de prétexte à poser des rochers pour plus que les gens viennent se poser au bord de l'eau. Et comment ils font les vieux et les handicapés? Là déjà sur le côté ça passe. Et en fait ils les ont enterrés ces fils. These chicks don't even know the name of my lake. Ah, merci le vent. Non, qui a donné à manger au chat? Les nageoires, t'as vu, tu vois l'os. Pas cool. Thank you.
C'est bien, ça arrive mieux la grenouille comme ça. Quand tu fais ça, tu respires par la bouche en même temps. Ça va? Allez, tu vas y arriver. Ça roule? Ok. Allez, vends-moi du rêve. Vas-y, fais voir. Ah, il en reste un peu là. Un tout petit peu. Tout à fait. Et après, on met le doigt au milieu et on finit. Ça a marché là. Bon, allez, venez, on va balader. Salut toi! Toi, t'as été perdu il y a pas longtemps. La belle prise. Celle qui va y aller. Beaucoup plus léger. Fais voir mes devoirs. Parce que je savais pas où il était, son sac bleu. Il est dans ma voiture. Alors, il voulait joli. Faire au stylo, il voulait pas faire au crayon gris. Alors... C'est beau, c'est bien, t'as trouvé le nom latin et tout. Tabigo! Ah, c'est beau, c'est que j'avais mis un time-lapse. Voilà. Regarde comme ça, Hugo. Tu vois, quand il y a un peu d'eau, il y a de l'eau dedans. C'est bon, vous avez vu? On commence la balade? Allez, on reste en groupe et on va vers là et on fait pas peur aux poissons. Ah, je descends, il y a un silure en bas. Il a touché mon doigt avec sa barbiche et il est reparti.
Je m'impressionne moi-même. Comment t'expliquer? Comment t'expliquer à quel point ça casse? On est sur du haut niveau d'intelligence. Voilà. Voilà, ça fait ça. Ok, fils de. Bah, tu vois, je veux dire, il y a quoi? Il y a peut-être 60 kilos de cible. Il a dû se les trimballer, quoi. Ouais, magnifique. C'est quoi ça? Une chaise. Il y a du nettoyage à faire. Bon, vous lui dites quoi au mec qui a fait ça? Hein? Vous en pensez quoi du mec qui a fait ça? Ben. Il est puni. Faudrait le punir, faudrait lui faire quoi? Ramasser tout ça. Là, t'as le droit. Là, t'as pas le droit. Attends, non. T'as plus le droit là. T'as plus le droit là. Non, je rigole. Elle veut la défoncer, quoi. Non. C'est un bébé. Non. Pas de balade. Trop d'envie de meurtre. Mais non, va pondre. Non. Bon, il est où mon pistolet à eau? Tu vas voir quand je vais devoir lui mettre le bordel là. Elle va un peu se débattre. Viens là. 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 Je suis quand? À votre avis, combien de temps il faut pour nettoyer votre bordel? Et pourquoi vous le nettoyez pas vous? Voilà. Vous avez fait que jouer. T'as fait que jouer, toi. Toi, t'as fait que jouer. On peut faire le avant-après, ça fait pas mal quand même. Ah là, y a rien à voir avec avant. Bien joué, les gars. C'est beau, c'est beau. T'as froid? Il faut gonfler le bateau. Vous êtes chaud? Il y en a un, il doit être fort des bras. Là, c'est les pieds. Au revoir. Il y en a pas de boîte, on va pas. Donc vous bougez pas beaucoup, hein. C'est moi qui conduis, ça marche. Qui c'est main droite, qui c'est main gauche, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pareil. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une bulle qui est remontée. J'ai fait que la taper, tac, tac. Et c'est multiplié. Allez, venez, on va voir là-bas. Putain, il y a un morceau, hein. Oh là là. Zou, zou. Bon, vous avez vu ce que c'est une carpe? Oui. T'as vu comme elle est grosse? Ouais, surtout ça fait bizarre. Tu veux la tenir? Non. Vas-y, papa. Non, mais ça peut résister hors de l'eau. Ta mission? C'est de garder. Garder noisette. Quoi? Et si ça s'en mêle, enfin quand ça va s'en mêler, tu démêles.
Aaron, attends, il est fermé le camion. Tout ce qui est là, sauf les déchets là-bas, ça va dans le bateau. Je pense que là, il se pose des questions. Maître, alors je signale qu'il faut surveiller si le chien veut sauter par la fenêtre. Ça marche? Et qu'est-ce qu'il faut faire si le chien essaye de sauter par la fenêtre? On le fait une clé de tête. Et il faut attraper le chien, voilà. Il a campé ici. Ouais. En vrai, ici, il y a grand peu. D'où elle est froide. Oh, bah elle est bonne. Mais oui, elle est bonne. Bah, en fait, vous êtes des chiens ici, là. Alors, c'est cool, les palmes? Faut que tu fasses des longs mouvements, des grands et lents mouvements, pas des petits mouvements rapides. Thank you.
Quoi, Shanti? Après, je vais redormir. Tu vas redormir encore? Oui, trop fatigué. T'as raison. Et après, les peurs de drôle. Attends, tu veux redormir? Oui, mais tout à l'heure, j'ai eu mal. T'as mal au cou hein, quand t'as dormi. Oui, mais maintenant, je vais dormir contre toi. Non, non, c'est bon. C'est Z. Je t'ai dit de pas l'attaquer. Mais faut pas qu'elle mange ta nourriture. Allez, mange. Mange. Mange, c'est à toi. Bon, t'as fait une erreur. Elle est où? Il a pas le masque. Non, il a son masque sur la tête. Elle était juste passée dessous, là, comme ça. Allez, maintenant c'est toi qui as une crampe. C'est toi qui as une crampe. Ah, t'as une crampe. Ah, t'as la crampe, elle te fait mal. Ah, allez vite, tu paniques. Tu paniques. Non, tu paniques plus, tu paniques plus. Tu paniques plus, c'est que la crampe. Lolo, la main droite. Voilà. Tu... Attention, le crocodile. Hey, j'ai le temps de crever avec mes petites palmes et tout. Non, je pense qu'il peut faire l'exercice quand même. Il gonfle là. Oui, mais regarde. Si j'ai plus d'air et que je dois... Avoue qu'il n'est pas facile. Et bon, je suis handicapé par mes palmes qui... J'attaque le chien, quoi. Alors, là, ma fifi. Là, ma fifi. Alors. Putain, t'as pris la confiance, hein. Ah, t'es mauvaise, hein. T'es jalouse, en fait. Hein. Elle est jalouse, hein. Elle est jalouse. Je l'ai vu là-bas, après le matin c'était pas, après de voir et bien. Je vous pose une question con, mais vous avez votre permis de pêche? Oui. Oui. Non, je sais pas, justement. C'est, ça me fait chier à chaque fois quand je trouve des poissons morts. Hein. Allô? Ouais, salut Christophe, c'est Jean, tu sais le plongeur? Ouais, y a pas de problème, j'ai ton numéro d'enregistré, y a pas de souci. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que c'est toi qui t'occupes du secteur lac de Codolet? Ah non, pas du tout, c'est la Fédé. Ok, est-ce que tu connais un mec qui s'occupe de ça? Le problème c'est que la Fédé, aujourd'hui, ils y sont pas. Allez! Allez ma Zézette, viens! Viens! Allez, moi je m'en vais! Je te laisse! Allez, viens! Tu vois, on est d'accord que l'eau constitue une barrière mentale. Viens.
Vers qui? Ah si, vas-y. Là, en fait, on se met en slip. Ah putain! Ah, t'avais raison! Putain, faut que je la ferme. Les manchons, ils sont trop petits? Un peu, ouais. Ouais. Je me demande si Lolo, il va m'appeler à un moment donné ou pas. Juste là, un tout petit peu. C'est cette partie-là de métal qui va aller s'appliquer contre le joint. Juste un tout petit peu. Voilà, c'est tout. Non, ça va. Mais là, on peut commencer direct. Il y a du poisson, on y voit bien. C'est l'histoire d'un lézard et d'un chien et aussi d'une poule. Non, non. Bon ben, cache-toi. Moi j'attendais que les deux fourgons vous poussent, là j'étais prêt, j'allais filmer. Thank you.
de ouf. Allez, viens. Vous allez ramasser les déchets ? Ouais. Il y en a beaucoup ? J'ai une chaîne YouTube, hein, mais je poste pas tout ce que je filme. J'ai pas beaucoup d'abonnés. C'est quoi ? C'est le dive blog. Ah, c'est